Mais d'abord, parce qu'il en a envie. Il en meurt d'envie, il veut remonter sur les planches. Voilà. Donc, ça fait plus d'un an qu'il s'est entraîné comme quelqu'un de normal, je dirais, comme vous-même, parce qu'il allait... Il avait besoin de jeter un peu son adrénaline dans. Il a besoin de faire des mouvements et ça lui démange, il veut remonter sur un. S'il a envie de boxer, sûrement. Alors, je ne sais pas si c'est un championnat du monde ou pas. Il faut voir avec la WBA, la fédération avec qui il détient le titre mondial. Ça fait quand même un an et demi si elle n'a pas le destitué de son titre ou pas. Ah, bah c'est parce qu'il est parti d'ici quand il est venu champion du monde. Hein. Vous savez, quand il est venu champion du monde au Canet, Côte d'Azur, il sortait de la salle de Jean Molina, où il a mis les gants avec les sparring partners, les Mexicains, tout ça. Donc, il est évident que ça fait partie de son histoire. Donc, pour remettre sa carrière en route, ben, il revient aux sources, à Marseille. Marche, hé, marche, pas d'émotion. Tu remets de la vaseline ? Ouais, les reprises sont jamais évidentes. C'est difficile de faire vraiment refaire partir la machine, surtout quand on atteint le très haut niveau. Donc on sait de quoi on est capable et pas pouvoir le faire tout de suite, c'est frustrant. Mais je suis content de remettre les pieds à la salle, pousser à avoir les réflexes et que les choses reviennent. Donc ça me plaît. La dureté me plaît aussi. Eh bien, tu me suivras de tout cœur et je leur donnerai des nouvelles d'ici peu. Merci en tout cas à vous.